L'enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives, c'est une enquête de statistiques publiques qui a été réalisée au premier semestre 2020 auprès de plus de 10 000 Français représentatifs de la population des 15 ans et plus. Cette enquête a été mobilisée pour l'ouvrage France Portrait Social car elle permet de dresser un portrait détaillé et fiable de la pratique physique et sportive des Français et d'établir des chiffres de référence sur le sujet. Cette enquête permet à la fois de dresser un portrait des pratiques, c'est-à-dire quels sports sont pratiqués, avec quelle fréquence, quelle intensité, selon quelle modalité, dans quel contexte, et des pratiquants, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui font du sport ou pas, qui font quel type de sport, est-ce qu'on observe des différences en fonction de l'âge, du sexe, de la catégorie sociale. Si on regarde les grandes catégories, c'est-à-dire les grands univers sportifs, les plus pratiqués, ce sont d'abord l'univers de la forme et de la gymnastique. Une personne sur trois pratique ces activités de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ensuite, on a les activités de la marche et de la course, qui sont pratiquées par environ une personne sur quatre de manière régulière. Et ensuite, on a les activités de glisse, de cycle, notamment le vélo, en fait, qui regroupe environ un Français sur cinq, là encore pour une pratique régulière. Si on regarde plus précisément quels sports et non pas quels univers sont les plus répandus, on retrouve beaucoup de sports de ces univers, c'est-à-dire la musculation, le footing, la marche, le vélo, etc., mais aussi la natation. Ces activités ont en commun d'être très accessibles, c'est-à-dire qu'elles nécessitent peu d'équipements spécifiques, enfin, il n'y a pas forcément besoin d'encadrement et elles sont faciles à pratiquer de manière autonome. Si on regarde de manière globale, on trouve qu'environ deux personnes sur trois pratiquent une activité physique et sportive de manière régulière. Mais c'est un constat très général qui dépend de beaucoup de choses. Les hommes pratiquent plus que les femmes, les plus jeunes pratiquent plus que les plus âgés. Les personnes plus favorisées pratiquent davantage que les moins favorisées. Et par ailleurs, il existe en fait tout un continuum de pratiques possibles. Si on inclut vraiment l'ensemble des activités physiques et sportives, y compris celles qui sont à la périphérie de ce qu'on pourrait appeler plutôt des activités de loisirs, par exemple les promenades, et qu'on n'inclut pas seulement les activités régulières, mais l'ensemble des activités réalisées au cours des 12 derniers mois, on trouve que seulement une personne sur 10 n'a fait aucune activité physique et sportive au cours de l'année passée. Ces personnes, ce sont globalement des femmes âgées, socialement défavorisées, avec plutôt des problèmes de santé. À l'inverse, si on regarde le sportif type, c'est-à-dire les personnes qui pratiquent des sports de manière intensive, régulièrement, beaucoup de sports différents toute l'année, là, c'est environ un Français sur cinq, c'est plutôt des jeunes, des hommes, des personnes diplômées. Et donc, entre les deux, on a tout un spectre qu'on peut schématiquement regrouper en quelques catégories. On a les personnes qui pratiquent pour le plaisir. Ça peut être des personnes plus âgées que la moyenne, qui privilégient le contact avec la nature, qui vont pratiquer par exemple de la randonnée. On va avoir les personnes qui font du sport pour leur santé. Donc là, elles vont privilégier plutôt les activités de la forme, de la gymnastique. Et on va avoir aussi des pratiquants qui privilégie le goût du risque, de l'aventure. Ça va être plutôt des hommes, pas forcément favorisés socialement. Et là, on va retrouver des activités comme la chasse, la pêche, les sports collectifs ou encore les arts martiaux.